Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la toute fin de Tinikin. On a utilisé la machine dont on avait, difficilement, consciencieusement récupéré tous les composants et ce n'a rien fait. Donc on va voir tout de suite ce que l'on peut faire pour s'en sortir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grimpé tout en haut ici. J'en ai profité pour passer dans toutes les portes. Ce qui fait que, à la croisée de Transidor, on est bon, on a tout validé. À la cité de Sanctar, on est bon, on a tout validé. Les hauteurs de Foliana, c'est bon, tout est coché, tout est validé. Les termes de Balnéa, c'est bon également, on a tout fait. Les terres d'Ambrose, on est bon également. Et le parc de Celerion, on est bon également. On a donc récupéré tous les tinis et tous les pollens de toutes ces zones. Par contre, du coup, maintenant, on a ici une trappe vers le grenier qui s'est ouverte. C'est parti. Cette zone n'a même pas de nom, on n'a pas le petit nom qui s'affiche. On reconnaît pourtant que c'est un grenier. On dirait qu'on va être un peu tout seul. Le dernier refuge, ok. Y a rien d'autre, hein. Y a rien marqué. Y a aucune info, aucune indication. Par contre, il y a des petites photos. Petites. Hein. Le dernier refuge. Avec le dragon qu'on a vu dans Celerion. Je me précipitais à l'infirmerie pour qu'il s'occupe de ce pauvre Ménette quand ses antennes se sont mises à vibrer plus fort que jamais. Il m'a supplié de venir ici. Et cette trappe était ouverte, c'est la première fois que je la vois. Le cantique venait de ce lecteur. Nos voix n'étaient que celles d'une machine. La seule différence avec celle que vous avez mise en route à Sanctar, c'est que les antennes des punaises sont assez sensibles pour l'entendre. Il n'y a jamais eu de cantique. Jamais, toute notre vie, seule, toute notre vie, nous avons couru après! Milodan, j'ai un dernier souvenir, service à vous demander. Nous sommes épuisés. Faites exploser cette maudite boîte de métal! Au diable, Hardwin, au diable la foi, je veux que mon ami et mes compagnons puissent enfin goûter au silence. Lecteur de cassette, hein, plus précisément, auquel on a déjà foutu un truc explosif. Ok. On va explorer un peu. On voit bien qu'il faut qu'on aille au milieu. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a un cimetière. Avec Gasper, encore et encore. Bouh! Mais t'arrives à me voir en fait? Donc il y a un petit succès hein, pour Gasper. Si vous l'avez trouvé dans tous les events, vous aurez. Enfin dans toutes les zones, vous aurez le succès. Ici, il y a le monstre qu'il y avait dans Sanctar. On se souvient d'Instagrette. Ici, on est dans Foliana, avec la plante, avec le terrarium. Il y a bien eu des humains à taille humaine dans cette zone. Allons donc explorer ici. Il y a visiblement un sous-sol. Et un escalier en livre. Je fais le tour. Ok, il y a une espèce de truc dont on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je pique les tinis. Et on va
faire exploser la machine. Instant de vérité. Que? Ma chanson préférée. Qui a fait ça? Qui va là? Montrez-vous, petit garnement. Ménette, écoute. Ha 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 ha. Je n'entends que le silence qui m'entoure. Comment tu te sens, camarade? Libre, je me sens libre, mais... Oui, oui, doucement, je t'emmène à l'infirmerie. Milodan, c'était un choc terrible d'apprendre que notre dieu n'était qu'une illusion, mais... Nous débarrasser des chaînes de ce cantique est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Je sais que mes camarades finiront par s'en rendre compte. C'était un honneur. Oui, le plus grand honneur de travailler avec vous. Je savais que vous feriez honneur à mon vieil étendard. Cof, cof. Occupez-vous de vos amis, vous aussi, Milo. Ils ont besoin de vous, n'est-ce pas? Ha ha. Et donc, visiblement, on a vu que c'était Arduin. Je sais pas si on a des objectifs. On n'a pas d'objectifs dans la zone. On a récupéré les Tini qui restaient. On a donc eu le succès qui correspondait à collectionner tous les Tini. Et qu'est-ce que... C'est toi qui éteins la musique? Tu ressembles à un gros tini. Avec des cheveux bizarres. Mmpf. Oh, toutes mes excuses. J'étais perdu dans mes pensées. Je suis Salvior. Salvior Arduin. Et tu as réussi à me trouver. Félicitations. Enfin, j'imagine que je vais devoir trouver une nouvelle cachette maintenant. Ça ne devrait pas être si difficile. Personne ne connaît les recoins de ma maison aussi bien que moi. C'est juste que ça devient fatigant d'éviter tout le monde. Ils me prennent pour un dieu en bas. Si tu peux croire une chose pareille. Quelle ironie, je suis un raté, un minable. Mon produit devait servir à diminuer juste un petit peu la taille des sujets. Mais tout est parti de travers si vite. Depuis des siècles. Oh non. Bien plutôt des millénaires. Je tente de réparer mon erreur. Les mutilations que j'ai infligées à mon propre corps sont le prix à payer pour continuer à exister. Cette maison, ou plutôt cette prison, est comme figée dans le temps. Tout ça pour l'amusement de ces monstres abjects. Un être ayant causé l'extinction de sa propre espèce. Tiens, moins du dieu que du démon, tu ne crois pas? Oh, Lucrezia, mais c'est étrange. Mon peuple, il te suit. Comme si vous aviez quelque chose en commun. C'est la première fois que je les vois s'intéresser à quelqu'un d'autre que moi. J'ai besoin de rentrer sur Terre. Sur la vraie Terre, tu comprends? Mais rien ne change jamais ici. La... technologie nécessaire pour terminer ma machine, elle n'existait pas en 1991. Alors elle sera pour toujours inaccessible ici. J'ai fini par abandonner. Tu es un descendant des Terriens? Je croyais que par ma faute ils étaient tous... Oh, c'est... Milodan, c'est... Et tu viens d'Aegis? Aegis, ça me dit quelque chose. Mais oui! C'était une des candidates de monde de retraite en cas de menace critique. Alors, ils ont eu le temps? Haha, ils ont eu le temps de fuir et maintenant tu es là, Milodan. Toi et tes milliards de compatriotes. Je suis si heureux et si soulagé, je me sentais si seul. Vous devez avoir des milliers d'années d'avance technologique. Ta combinaison. Montre-la moi. Peut-être que ce qu'il manque à ma machine, c'est... Vite, Milodan, je dois absolument rencontrer ce rythme. Je n'ai rien que d'un dieu, mais je crois qu'un miracle est sur le point de se réaliser.
Ce visage, c'est... Je peux pas le croire. Arduin? Je crois que l'émotion l'a un peu submergé. C'est un grand fan. Je vais aller lui administrer un petit remontant. Faites pas attention! Arduin, je veux dire, Selvior, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait et ce que notre rencontre signifie pour la maison. Mon jeune ami, j'ai bien peur que les légendes me concernant ne soient exagérées. J'ai beaucoup de chance que les plans de ma machine soient tombés entre vos pattes. Et toutes vos inventions, c'est vraiment du génie! Merci, Milodan, Salvior m'a expliqué pourquoi la machine n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ce n'était pas indiqué sur les plans, mais la quantité d'énergie requise est bien supérieure à ce que j'imaginais. Par chance. Vous n'allez pas avoir à chercher bien plus loin. Milodan, ouvre ta main. Cet os, c'est celui de ton petit Névus, c'est cela? Un simple jouet aujourd'hui, mais qui renferme pourtant plus d'énergie qu'il n'en fallait pour alimenter toute une capitale à mon époque. Milo, tu comprends ce que ça veut dire? Notre travail est accompli. Tu vas pouvoir revoir Aegis, Névus et raconter à tout le monde que ton hypothèse était exacte. Quant à moi, j'ai décidé de rester ici encore un peu. Mes assistants ont besoin de moi après tout, et puis... Je vais mettre mes talents au service des gens de la maison. Je ne vais pas m'ennuyer. Il y a toujours un problème à régler avec eux. Et puis, il n'y a pas que toi qui t'en vas aujourd'hui. Milodan, depuis des milliers d'années, j'espérais faire revenir l'humanité. Je n'aurais jamais cru que ce serait l'humanité qui vienne à mon secours. Si je me souviens bien, il y a de la place pour deux dans la machine. Accepterais-tu de me laisser être ton copilote? Adieu, mes amis. Et Salvior, Dieu ou pas, nous vous en sommes tous infiniment reconnaissants. Désolé, mais le peuple de la maison n'oubliera pas votre nom de sitôt. Et voilà ce qui clôt donc cette petite série que j'ai vraiment appréciée. C'est vraiment un jeu que j'ai aimé le level design. Et j'espère que vous l'avez apprécié également. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et bien, je vous laisse là. Le générique n'a pas de petit secret, donc je vais couper ici et vous dire simplement bye bye!